L'écriture de Nostradamus était une écriture au cryptage complexe. C'est incontestable, j'ai découvert le secret d'écriture de cet homme. J'ai mis 36 années pour comprendre. Vous trouverez sur le site nostradamusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture complexe a été mise à jour. Révélation du quatrain 20 de la 3e centurie. Dans ce quatrain, Nostradamus parle de la Grèce et du reflux de la mer. Il parle également des Andes et sont décrites comme étant le lieu provoquant les eaux hautes. Il nous explique que ce sera la première unité du monde. Nostradamus fait la description d'une poussée qui se fera sous les Andes. Les plaques tectoniques vont rencontrer une contrainte à cet endroit. L'Inde sera touchée en premier. Voici le quatrain numéro 20. Par les contrées du grand fleuve Bétique, loin d'Ibère, au royaume de Grenade. Croix repoussée par Jean Mahométique. Un de Cordube trahira la contrade. Décryptage du quatrain entier selon le premier degré. À Thèbes sera le reflux de la mer, et voir la volonté des fleuves levés, ce sera grand. Il faut gérer l'année des grandes Andes. J'ai mis dans les lignes de cet art les mots. Les années de ce devoir sera une œuvre qui donnera cet ouvrage. De ces usages sera le pouvoir qui sera par l'air des mots de raconter ce conte, où nettement tu tiendras nos heures. Tel sera laissé nos usages pour les êtres, ceci était scellé. Il faut séparer cet art des mots râpeux et difficiles de Dieu. L'aide sera ainsi donnée. Dans cette période de haine, beaucoup nageront. Cette époque est en germination et sera grande. Il faut gérer la haine et les nerfs des Andes. Elles seront démises et apporteront des maux par les eaux hautes. L'ère des maux sera une obligation qui demandera effort et vertu, afin que les rois puissent entendre du Très-Haut les heures du recommencement. Dieu indique le reflux de la mer et dit ainsi ses idées et le délai des eaux qui de loin seront entendues. La loi de cet unique cryptage sera une œuvre donnant cet ouvrage dont l'usage donnera le pouvoir à ce livre contenant les heures des hommes ainsi que leurs maux. Suite du décryptage du quatrain entier. Moi le mage, j'ai les époques pour les hommes. L'intérieur des mots sera la naissance des scènes. Il sera nécessaire de séparer les événements. Dans cet art paraîtra l'usage qui sera l'épée de ce pouvoir et poussera la coutume d'expression à faire les mots recréés. Ce sera la connaissance de la royale croix. L'ère des mots devra être crue pour être entendue, car ici même sera cédée l'aide de Dieu en indiquant l'heure de l'époque qui sera racontée dans ce conte, dont les notes sont tellement nettes. Tu as haï hier l'angoissante accusation de la terre. Ton époque aura cet art de Dieu qui aide pour ce devoir afin d'accorder la connaissance de ce puissant sortilège que les hommes auront par les eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. De nombreuses hordes se déplaceront, ce sera difficile. De Dieu sera l'aide que vous aurez pour cette première nudité. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, le pouvoir par cet art de l'air des mots parlés sera le réel relais laissé dans ces usages de la connaissance. Dans les sons phonétiques sera ce conte pour les contrées de la terre. La durée de l'existence sera cédée dans ce devoir où j'ai géré l'époque de l'année des grandes Andes. Elles seront défaites, se mettront debout et augmenteront de volume. Les fleuves seront levés. Ce sera un chancre. J'ai la vision des eaux. Ce sera la volonté de voir la menace par le reflux de la mer en été. Sera indiqué l'orage. Tu as l'éthique par ce cryptage qui sera la volonté de voir cette menace. En deux, ce cryptage sera la volonté de voir cette menace, de veiller sur leur hache de la bête. Tu eus la volonté de voir cette menace couverte d'un voile par les usages laissés. Les Andes seront fendues et auront des heures de rejet. Par ces usages, j'aide. Ce sera difficile de raconter par l'air des mots ce conte. La connaissance sera nette. Te laisse les usages dont il faudra séparer les événements. Ce sera ce pouvoir par cet art de l'air des mots. Les trois parcs veillent. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le deuxième, troisième et quatrième degré. En 1, les eaux seront entendues de loin. En premier, ce sera en Inde. Dieu nous indiquera le reflux de la mer, l'époque des eaux en dehors de notre pays de France.
Les rois entendront par mon semblable que les eaux seront au-dessus des têtes, dans l'équivalence de mes aides de Dieu, dont la portée sera grande. Il faut gérer votre époque de grenades et d'explosions. Les années seront dans les vers poétiques. À nous deux, le délai fera entendre les eaux de loin. En deux, de Dieu sera indiquée l'époque, et gérer les grandes andes où sera la haine. Elles seront démises. De Dieu sera mise, dans cette émission, les eaux hautes. Elles seront entendues, et l'on percevra les sons, et l'époque sera rasée, grattée, effacée. Ces heures des eaux hautes seront à l'aube. L'aide de Dieu sera dans cette loi en indiquant le délai, par le premier qui sera oint de Dieu. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le 2e, 3e et 4e degré. En 1, la connaissance de l'air des mots devra être entendue et crue ici même. En cette époque, les dangers des pouvoirs pousseront à faire les faits, indiquant la durée de la vie des êtres dans cet art. Vous êtes à l'ère de l'argent, les gens ont beaucoup de haine pour cela. Et cela fera la naissance du pouvoir des autres, de ces visions j'ai vues et entendues. Il faut percevoir les sons, entendre en acceptant d'écouter l'héritage de cette haute angoisse, par l'air des mots. Moi, j'ai mis leur hache des eaux sur les hommes au-dessus des têtes. Tu as ce cryptage, tu mettras l'éthique qui donnera cette œuvre, donnera l'ouvrage par les usages et ensuite le pouvoir. La religion chrétienne sera refoulée par des hommes musulmans. En deux, les usages sont cryptés. En ayant l'éthique, tu doutes, en tant qu'homme de ce cryptage élevé où sera mise leur hache. Moi, le mage, j'ai l'époque agencée à l'intérieur des mots. Sera ce pouvoir de séparer cet art, afin que paraissent les effets en faisant cet essai qui fera effet. Le pouvoir pour cela, avoir l'époque pour recréer cette connaissance et croire. J'entends ici même l'air des mots croisés être. Voici maintenant le décryptage de la ligne soulignée en jaune selon le 2e, 3e et 4e degré. En 1, en premier sera en Inde, l'aide de Dieu. De nombreux décès dans la connaissance sera ce puissant sortilège où vous aurez des corps par les eaux, dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant, cette époque sera difficile par le reflux de la mer. La bête sera sur cette terre. Ton époque haïra l'ère des mots où les heures ne sont qu'angoisse. Mais Allah sera là dans ses notes de la connaissance. Les sons phonétiques de ce conte, la planète les possédera. Cette époque tellement rapide connaîtra ses vers poétiques, et on aura la traduction faite à nous deux pour indiquer que l'Inde aura un puissant sortilège. En deux, de Dieu, les heures de cette époque seront dans ce conte. Il faut le raconter à la terre. Allah est ici en cette époque dans ses petits poèmes en vers de 8 syllabes qui feront la lettre pour la terre. Dans l'air des mots sera leur hache du reflux de la mer, ce sera le but. Les décors seront des décès et des corps. Il faut savoir ce fort sortilège par les eaux que vous aurez dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant seront des hordes. De Dieu avoir la première haine en Inde, vous aurez les heures. Avant le milieu de l'été, vous trouverez tous mes livres sur le site d'Amazon, dans le format Kindle et le format papier. Ce sera le résultat de ces 10 dernières années où les degrés de compréhension étaient les plus aiguisés. Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.